Vous suivez la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Il y a des hommes non encore conscients de l'évolution des droits de la femme, une situation à la base des violences conjugales, l'analyse est du chercheur anthropologue Melchizedek Ndouayesu. Et un comité représentant les habitants du site Sokarti est allé rencontrer l'ombudsman burundais. Ses habitants souhaitent son concours pour une médiation avec le gouvernement concernant leur expulsion de ce site. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Page économie pour ouvrir ce journal. 95% des anciens billets de 5 et 10 000 francs burundais ont été retournés dans les banques dans le processus de leur changement. Bilan provisoire est fourni par le porte-parole de la Banque de la République du Burundi ce jeudi lors de l'émission publique des porte-paroles des institutions tenue à Muramvya. Bellarmé Batinoni indique en outre que la collecte de ces billets a facilité les opérations bancaires qui étaient perturbées. Les chiffres provisoires que nous avons jusqu'à aujourd'hui montrent que 95% des billets attendus d'être retournés à la banque ont été retournés pour être échangés. Pour cela, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué, surtout les autorités administratives pour la collecte des billets de 5 000 et 10 000 fabriqués en 2018 pour les changer avec ceux de 2022. La somme totale de ces billets collectés sera communiquée après. La valeur ajoutée de ce travail de collecte de billets, c'est-à-dire cela a facilité les opérations des banques qui étaient perturbées alors que ces banques sont celles chargées de faire les compensations. Si une telle somme est gardée à la maison ou si elle n'est pas en circulation, cela perturbe l'économie du pays et ça freine le fonctionnement des opérations bancaires. En page éducation, la directrice exécutive de la Banque africaine de développement a effectué une visite de travaux du projet d'appui au Centre d'excellence sous-régionale en sciences de nutrition, une occasion pour le coordonnateur de ce projet, Mélance Nunzenimana, de saluer les activités déjà réalisées avec un montant de 8 millions de dollars américains déjà décaissés par cette banque. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Les travaux de construction de ce centre d'excellence sous-régionale en sciences de la nutrition ont commencé en 2019. Selon le coordonnateur de ce projet, plus de 8 millions de dollars américains ont été déjà utilisés. Mélance Nzwenimana précise que l'enveloppe pour tous les travaux est de 35 millions de dollars américains. Le centre d'excellence régionale en sciences de nutrition, c'est un centre qui a été créé comme d'autres centres dans les pays de l'East African Community. Le budget était autour de 35 millions donc de dollars, mais parce qu'on n'a pas eu accès à l'enveloppe régionale, donc on a eu l'enveloppe locale qui était une enveloppe de 6 millions d'unités de compte qui avoisine 8 millions 500 dollars. Donc c'est un budget qui n'était pas suffisant parce que tout ce qu'on avait prévu de construire, on avait prévu donc de construire nos propres locaux. Mais le gouvernement nous a donné donc des locaux à réhabiliter. Nous espérons qu'avec donc la deuxième phase que nous espérons avoir, on va construire nos propres locaux, mais aussi les équiper donc comme il faut. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique apprécie cet appui financier de la part de la Banque africaine de développement. François Vialimana ajoute que l'Université du Burundi vise à doter le Burundi les ressources humaines en matière de nutrition dont le pays a besoin. Comme la BAD appuie aussi dans la réhabilitation de certaines infrastructures, elle a profité de cette occasion pour se rendre sur le terrain afin de constater réellement si l'appui de la BAD
a contribué au développement de cet institut, et plutôt de ce centre d'excellence en sciences de la nutrition. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec elle pour visiter les infrastructures qui sont en train d'être réhabilitées à travers ce projet financé par la BAD. Nous, de notre côté, nous avons profité de cette occasion pour demander qu'un appui supplémentaire puisse être octroyé à l'Université du Burundi afin de permettre à l'Université du Burundi de former d'autres spécialistes dans le domaine de la nutrition. Comme vous le savez, on avait en tout cas très peu de spécialistes en ce domaine. Et donc, l'appui de la BAD nous permettra d'avoir un nombre suffisant de spécialistes dans le domaine de la nutrition qui vont pouvoir intervenir dans les différents domaines. C'est le mélange. C'est Nzweni Imana, coordonnateur de ce projet. L'Université du Burundi a déjà formé 140 nutritionnistes de niveau master et doctorat depuis 2019. En droit de l'homme, il y a deux hommes non encore conscients de l'évolution des droits de la femme. Analyse faite par Melchizedek Ndouayesu, chercheur anthropologue, au moment où il s'observe des cas de violence conjugale, dont celui de l'homme violenté à Kayanza par sa femme. Selon lui, les autorités publiques devraient changer de discours pour aider la population à bien intégrer ses droits. Nous avons évolué dans une culture qui tolère un peu les violences à l'égard des femmes, d'une part, et qui voudrait nous dire que la femme ne peut pas être violente à l'égard de son mari. Ça, c'est une chose, et en fait, d'une certaine manière, la violence de la femme à l'égard de son mari a été occultée parce qu'il n'y avait pas d'espace pour le dire. Et je crois que certains hommes résistent même à accepter qu'ils sont violentés par leur femme, parce que lorsqu'ils disent cela, ils sont plus ou moins critiqués, ostracisés pour dire « vous n'êtes plus des hommes ». Et qu'il y ait une violence à l'égard des hommes de la part de leur femme, je dirais que ça s'expliquerait aussi par une impossibilité également pour une femme d'être violente. Parce que la violence n'est pas l'apanage des hommes. Non, les femmes sont aussi violentes que les hommes le sont. Que les femmes soient de plus en plus sensibilisées à leurs droits, en fait, elles deviennent conscientes qu'elles ne peuvent pas tolérer indéfiniment certains types de traitements qu'elles subissent dans le cadre conjugal. Et en fait, il y a des hommes qui avaient pris la coutume de traiter les femmes comme ils veulent. Et le fait qu'il y a ce discours sur les droits de la femme va en fait sensibiliser ces femmes-là que certains traitements sont injustes et vont les dénoncer ou alors chercher à agir pour essayer de changer le type de relation qu'elles ont à l'égard de leur mari. Et bon, ce qui en résulte, c'est que certains hommes deviennent moins sensibles à ces revendications. Lorsqu'elles deviennent sensibles à ces revendications des femmes, c'est parfois des querelles qui s'en sortent et vous en avez finalement que certaines femmes vont jusqu'à imposer un peu de considération dans leur ménage par la violence, si vous voulez. Mais je crois que de plus en plus, l'autorité publique devrait porter lui-même ce message dans les diverses rencontres qu'elle organise avec la population. Pour clore ce journal, les habitants du site Sokarti souhaitent le concours de l'ombudsman burundais pour une médiation avec le gouvernement concernant leur expulsion. Le comité représentant ses habitants, lequel est allé rencontrer l'ombudsman burundais ce vendredi, demande un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Le chef de cabinet de cette institution a promis que l'ombudsman va s'y rendre prochainement. Le point avec Moïse Misago. Ce comité de 15 membres représentant les habitants du quartier Sokarti est allé rencontrer l'ombudsman burundais pour solliciter sa médiation avec l'État sur la question de déménager dans ce quartier. Ses habitants estiment que le délai de vider les lieux est trop court et plaident pour son prolongement. Hadjayandi Emmanuel, un des membres de ce comité, affirme soutenir le projet du gouvernement d'y construire des logements sociaux. Aujourd'hui, nous sommes ici et au bureau de l'ombudsman du Burundi, parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux leur communiqué, soi-disant que nous, les gens qui habitent au site Sokarti, que nous devons quitter cet endroit
Et dans le 30 août de cette année-ci, et au moment où nous avons vu ça, nous avons eu peur. Donc c'est pourquoi maintenant nous sommes ici au bureau de l'Osman pour qu'il y ait d'abord la réconciliation entre nous, les gens qui habitent là et les temps. Après la rencontre avec le chef de cabinet à cette institution de médiation, une promesse leur a été accordée que le médiateur burundais fera une visite dans ce quartier, chose qu'ils apprécient. Maintenant, nous sommes très contents car le Bousman il nous a accordé de nous revenir et de venir là où nous vivons et pour qu'il fasse étudier ces problèmes que nous avons souhaités. Le chef de cabinet au sein de cette institution, Innocent Himagaritse, affirme cette rencontre de l'ombudsman burundais avec ses habitants du quartier Sokarti après avoir consulté le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions. Ce dernier avait ordonné aux habitants du quartier Sokarti de quitter les lieux avec la fin du mois d'août prochain. Plus de 600 ménages habitent le quartier Sokarti. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.